C'était l'affiche de cette 23e journée de Ligue 2 BKT. Clermont, 3e, recevait 3, le leader. Les Auvergnats livrent une entame de match convaincante, ponctuée de 2 buts. Au quart d'heure de jeu, c'est Hakim Zedatka qui marque son premier but de la saison. 1-0 pour les hommes de Pascal Gassien. À la 29e minute, Mohamed Bayo va inscrire un but sur pénalty. Le meilleur réalisateur clermontois et deuxième meilleur buteur de Ligue 2, BKT, donne un avantage intéressant à Clermont. Mais à la 71e minute, Johan Salmier va réduire l'écart. 7e victoire consécutive à domicile pour Clermont qui revient à 4 points de l'Estac. 3 recevra Toulouse, son dauphin, lors de la prochaine journée. Les Toulousains en déplacement à Périeux à Auxerre. Si le TFC avait bien négocié son opposition face à Clermont lors de la dernière journée, c'est plus compliqué à la Baie des Champs face à la GIA qui marque dès la 4e minute grâce à Rémi Dugimon. 1-0. Puis en fin de première période, à la 42e minute, c'est Axel Ngando qui va conclure cette contre-attaque. 2-0, c'est le score à la pause pour les hommes de Jean-Marc Furlan. 77e minute, le doublé de Rémi Dugimon, une nouvelle fois servi par Hamza Saki. 10e réalisation pour Dugimon. À la 88e minute, après un penalty manqué par Spearings, c'est Rhys Haley qui va tirer le penalty accordé. Cette fois-ci à la 93e minute, suite à cette main de Bernard. L'anglais va le transformer, marquer son 9e but de la saison. 3-1 après 2 défaites consécutives. La GIA 5e se reprend. Fin d'invincibilité de 12 matchs pour les Toulousains. Battu lors de ses 3 derniers déplacements, le GF 38 comptait sur la réception de Guingamp pour rebondir. Mais ce sont les hommes de Mecha Bazarevic qui virent en tête à la pause grâce au but de Yannick Gomis à la 43e. Le 7e but pour Gomis. Mais les Grenoblois, invaincus à domicile, vont égaliser à la 56e et de bien belle manière par Yorick Ravet. 4e but pour Ravet. Et à la 91e minute, Willy Semedo, entré en cours de jeu, va arracher un précieux succès pour Grenoble. Le GF 38 est 4e. Guingamp devient barragiste après n'avoir remporté qu'un seul de ses 16 derniers matchs. Rencontre spectaculaire entre le Paris FC et Niort. Très vite, le PFC prend les devants. Première minute de jeu, Ali Abdi coupe ce corner de Julien Lopez. Lopez de nouveau passeur pour servir cette fois-ci Florian Martin à la 9e minute. Réduction de l'écart des Chamois à la 20e avec ce coup franc de Valentin Jacob. Mais les hommes de René Girard vont s'échapper à nouveau. 3-1 à la 33e grâce au doublé d'Ali Abdi, opportuniste. 4e but pour le défenseur tunisien. À la 38e, Bilal Boutoba redonne espoir au Niortais. 3-2, c'est le score à la pause. Et à la 55e, sur ce coup franc de Jacob, le meilleur buteur des Chamois, Pape Ibnou, bat, égalise à 3 partout. 11e but pour le Sénégalais. À la 88e minute, une balle de match pour le PFC. Gaëtan Laura est en échec face à Mathieu Michel. 3 partout, score final. Début des rebondissements, mais pas de vainqueur. Le PFC est 6e, Niort 12e avec ce 4e nul consécutif. État de forme opposé entre Caen et Valenciennes au moment de s'affronter à Dornano. Caen 10e reste sur 3 défaites consécutives. Valenciennes 7e a pris 10 points sur les 12 derniers possibles. Ce sont les Nordistes qui ouvrent le score par Moussa Gouel à la 5e minute. Mais Valenciennes va se faire rejoindre sur le 6e but de Yacine Bamou, inscrit sur pénalty. Un but partout, Caen sans victoire depuis 7 matchs, bascule en deuxième moitié de classement. Pau, Amiens, la lutte pour le maintien pour l'un, la lutte pour les playoffs pour l'autre. Ce sont les Palois qui ouvrent le score à la 10e minute avec Etetinga, récemment arrivé de Sion en Suisse. C'est le premier but pour le Brésilien en Ligue 2 BKT. Bon service de Romain Armand. Et à la 67e minute, Steve Benard, tout juste entré en jeu,
marque le but du 2-0 pour les Palois. Pour la première fois de la saison, Pau enchaîne une deuxième victoire consécutive et n'est plus qu'à 2 points du premier relégable Nancy, le prochain adversaire. Duel de milieu de tableau entre Sochaux 9e et Ajaccio 11e, un point derrière. 44e minute, le carton rouge de Christophe Diédiou et le pénalty à suivre. C'est Gaëtan Courtais qui va se présenter devant Prévost. 1-0 pour Ajaccio, troisième but pour Gaëtan Courtais. But en fin de première période pour Ajaccio et en début de deuxième période avec Barreto qui va filer inscrire son quatrième but de la saison. Il y aura même un pénalty. 2-0 pour la première fois de la saison. Ajaccio boucle un deuxième succès de rang et s'invite en première moitié de classement. Placés tous deux en deuxième partie de tableau, Le Havre et Nancy enchaînent les matchs nuls depuis plusieurs semaines, ce qui les empêche respectivement de s'approcher du milieu de tableau et de s'éloigner de la zone rouge. Après un pénalty raté par Thierry en fin de première période, Rocha Santos ouvre le score pour Nancy. Mais cette rencontre se terminera bel et bien par un match nul, puisque Seca marque contre son camp à la 85e, un partout entre Le Havre et Nancy. Battu 6 fois lors des 8 derniers matchs, Dunkerque a glissé à la 14e place et regarde désormais dans le rétroviseur dans lequel se trouve Rodez, un point derrière. Ce match entre deux attaques les moins prolifiques de Ligue 2 BKT se solde par un 0-0 malgré quelques opportunités de part et d'autre, avec notamment cette frappe de Ruffo sur la transversale d'Axel Maraval. Dunkerque aura également des balles pour ouvrir le score. Mais les Galvaudra, le centre de Bonnet ne trouvera pas preneur non plus. 0-0, Rodez est invaincu depuis 9 matchs, mais avec 7 matchs nuls, n'a que 2 unités de plus que le barragiste. Partie de bas de tableau entre Châteauroux et Chambly, tout s'est joué en deuxième période. En supériorité numérique, Châteauroux va ouvrir le score sur pénalty grâce à Romain Grange à la 55e. Troisième but pour Romain Grange. Et Doucouré ensuite va entrer en scène, entrer en jeu à la 65e et il va marquer à la 72e pour son tout premier but en Ligue 2 BKT. Et le jeune attaquant de 18 ans, Doucouré, va ensuite être passeur sur le 3-0 et la réalisation de Yanis Merji. 4-0, ce sera le score final grâce au doublé de Doucouré. Première victoire depuis 2 mois et demi pour Châteauroux. Cassel-Roussin sont toujours derniers, mais reviennent à 5 points du barragiste et à 6 de Chambly, 16e.